David Douillet, 46 ans, nouveau patron de la Fédération Yvelinoise Les Républicains, ancien ministre, actuel député et conseiller régional, il succède à ce poste à Valérie Pécresse, élue présidente de l'Île-de-France. Sa priorité, accroître le nombre d'adhérents. Ce qui est aussi intéressant, voire plus intéressant, c'est que toutes les personnes de sensibilité de droite, républicaine, ou alors on pourrait dire qui sont dans la méritocratie et puis l'envie que le pays se sorte de cette ornière économique en termes de création de richesses, eh bien, puissent participer à un débat qui nous permettra d'avoir les meilleures solutions. Au poste de secrétaire départemental devrait être nommé pour épauler David Douillet, Sophie Prima, sénatrice. Cette élection interne était surtout l'occasion de mettre en marche le parti avant l'échéance présidentielle et législative de 2017. Lourde responsabilité, parce que les Républicains, c'est et de loin le plus grand parti de France. Aujourd'hui, structuré et remis en marche depuis les mésaventures de l'UMP de l'époque. C'est exactement ce qu'on va continuer à faire dans les Yvelines, avec, je l'espère, un accroissement des adhérents. En attendant, en 2017, l'ancien judoka double champion olympique va devoir repartir sur le terrain pour la campagne de la législative partielle dans la seconde circonscription. Les électeurs sont appelés aux urnes les 13 et 20 mars après la démission de Valérie Pécresse. Les Républicains désigneront leur candidat dans les prochains jours, le maire de Vélizy est en bonne position pour l'emporter.